Le sanglier d'Erymanthe. Dans la mythologie grecque, le sanglier d'Erymanthe est un immense sanglier d'une force et d'une taille colossale. Néanmoins, son origine est inconnue. Il habitait dans l'Arcadie, plus précisément sur le mont Erymanthe, où il traumatisait tous ses habitants. Sa capture fut le quatrième travaux du demi-dieu Héraclès. Le poète pseudo-Apollodore nous conte la capture. Héraclès le poursuivit avec des cris à travers la neige qui était fort haute, jusqu'à ce qu'il l'eût fatigué le sanglier. Ensuite, Héraclès le tua ou le rapporta vivant en fonction des versions. Voici qui était...